Bonjour encore, c'est Madame Nicole. Vous avez peut-être vu la vidéo que j'ai mise de la femme qui jouait les chansons, les comptines avec des marionnettes. Et il y en a quelques-uns d'entre vous qui avaient voté. J'ai demandé quelle chanson que vous préférez entendre, soit Jaws ou Down by the Bay. C'était très proche, j'ai eu 3 votes pour Down by the Bay et 4 votes pour Jaws. Alors, j'ai décidé de vous montrer les deux chansons. Alors, la première chose qu'on va faire avant de commencer, il faut vérifier notre posture. Je plante mes pieds, je mets mon dos droit, je vole avec mes deux bras, j'ai une belle ligne droite ici, mon C pour cello, et on y va pour jazz, je vous la joue. Alors, vous voyez, ça va être assez facile. Il y a deux notes seulement dans la pièce. C'est Do et Do dièse. Do dièse se trouve dans la demi-position, juste entre ton Si et ton Ré. Fait que si je trouve mon Ré, et je descends un peu, je trouve mon Do dièse. Exalto, vous pouvez faire pareil. Les violonistes, vous pouvez peut-être jouer un sol comme un vide et un sil ou un loup, c'est pareil. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Do, di, ch, ch. Do, di, do, di, ch. 1, 2, 3. Do, di, ch, ch. Do, di, 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 do, di. Et c'est tout. Vous avez entendu, la première fois que j'ai joué, il faut faire un accélérando. Ça veut dire qu'on y va plus vite vers la deuxième ligne de la pièce. On essaie encore.